Ik heb hier vandaag bij Belfast heel veel mooie dingen gehoord en gezien. En wat me opvalt is dat ze echt die duurzaamheidsacties vanuit het hart doen als familiale KMO met een lange termijnvisie. Dat vind ik heel mooi. Dat je als kleine Belgische familiale KMO de boeren in Afrika $1500 per ton cacao betaalt in plaats van 1200, dat vind ik wel heel knap. Ce qui m'a fort inspiré aujourd'hui, c'est le grand impact que la chocolaterie Belfast a sur l'économie durable. Ils ont donné une présentation pleine de pratiques et en plus on a su goûter le chocolat. Ik vind het zeer inspirerend dat verschillende bedrijven hun ervaring delen over SDG 8, over werkgelegenheid en economische groei. En ik vind het belangrijk dat die gedeeld worden met andere bedrijven, zodat we van elkaar kunnen leren en dat we ook samen vooruit kunnen gaan naar een betere wereld. Donc le SDG 8, par moment, on pourrait au départ croire que c'est un peu contradictoire, parce qu'il y a le bien-être des gens dans ce SDG 8 et aussi la croissance économique. Et en fait, on a appris que, en réfléchissant bien, c'est justement complémentaire. Il y a le bien-être des gens chez nous, évidemment par le commerce équitable, donc nos fournisseurs du Sud, ou par le bio, les fermiers qui n'ont plus de produits chimiques sur eux au moment où ils sont dans les plantations. Aussi par le bien-être de nos équipes, ici alors dans le Nord. Et l'ensemble fait une offre qui intéresse le consommateur et puis de manière induite crée le succès économique.